sortir de cette séance de travail, les députés nationaux du Kassai Central ont exprimé leurs sentiments. Nous avons voulu rencontrer M. le directeur général du BSECO pour passer en revue les projet ou le programme structurant qui ont été initiés sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la province du Kassai Central. Et là, pour ce qui nous concerne dans cette partie de la République, vous savez que le président de la République avait initié un programme ambitieux de 145 territoires. Et il était question pour nous de savoir aujourd'hui où en sommes-nous avec ce programme de développement de 145 territoires. Et cela a permis à ce qu'avec le DG, nous puissions passer en revue, circonscription par circonscription, l'état d'avancement de ces travaux. Et nous pensons que nous sommes. Euh, suffisamment informés sur l'évolution des travaux. Il y a là où les travaux ont été complètement achevés et même livrés déjà à la population. Et il y a où, là où les travaux sont en cours d'exécution euh, pour euh, des difficultés liées bien entendu pas au manque de financement, mais bien entendu euh, par le fait que l'acheminement des matériaux de construction à ces jours pose problème dans certains coins de la République. Vous pouvez vous imaginer, vous rendre compte qu'on peut acheminer, transporter les ciments euh, à vélo. Pour que ça soit acheminé, comment conduit jusqu'à sur les sites de construction, c'est un problème, c'est une difficulté assez sérieuse. Et raison pour laquelle on peut estimer la durée des travaux à 10 à 12 mois, mais avec ces contraintes d'ordre technique, et voilà que la durée va au-delà des estimations normales. Et du programme de 145 territoires, nous sommes passés à la voirie urbaine de la ville de Kananga. Et là, il était question également de voir comment évolue euh, le travaux de la voirie urbaine. Et certes, nous avons compris le contour de ces, euh, de ces projets. Et nous avons également euh, examiné la question de la lutte anti-érosive, qui, comme vous le savez, il y a eu même des pertes en vie, euh, en vie humaine. Et c'est que nous regrettons et déplorons en même temps. Eh bien, le gouvernement a déjà déployé le moyen et que l'entreprise Safri, Safrimex? Oui, Safrimex est à pied d'œuvre et les travaux évoluent correctement. Et de là, nous avons poursuivi également nos échanges pour ce qui concerne les travaux de la route de l'espoir qui est la route de Kananga-Kalambambuji. Et c'est là que nous avons des, in... des grandes inquiétudes. Euh, nos préoccupations sont basées sur le fait que euh, l'état de la route aujourd'hui est totalement impraticable et que le transport de personnes qui, qui est de biens n'est pas euh, facilement opérationnel sur, euh, sur, cette, euh, sur cette route. Et là, le problème le plus important, c'est qu'il y a eu déplacement des engins. Donc, les matériels qui sont partis de la province du Kassai central pour la province sœur euh, du, du Kassai. Et ce qui fait que l'entrepreneur eh, a dû euh, violer les dispositions contractuelles et nous pensons qu'il va revenir au bon sens. Nous allons bien entendu également euh, le revoir pour échanger avec. De sorte que ces engins, que ce matériel soit euh, sur les sites où cela a été disposé afin que les travaux soient poursuivis. Et au-delà de tout, c'est une route en terre bâtie où c'est seulement le compactage qui devait être fait, mais nous aurions souhaité que ce soit une route bien entendu asphaltée et nous allons nous battre en tant qu'autorité budgétaire que nous puissions disposer des moyens, euh, des ressources budgétaires importantes afin que la route soit construites. et pour terminer nous avons chité sur la situation de Chitumbombo c'est-à-dire pour fournir l'électricité dans la ville de Kananga il y a les travaux les études de faisabilité qui sont, qui sont en train d'être menées par des spécialistes et dès que ces études seront à terme nous pourrions cette fois-là compter les 18 mois d'exécution des travaux. À date, ce que nous pouvons dire est que euh, les chutes Mbombo, nous sommes en phase d'étude de faisabilité. Et ce que nous devons mener en tant qu'autorité budgétaire, c'est la recherche des ressources financières nécessaires pour que les travaux soient exécutés dans les 18 mois. Et ça, nous l'avons compris. Et nous voudrions que cette communication soit retenue pour éviter la distorsion de l'information entre les réseaux sociaux et la réalité que nous pouvons rencontrer chez les responsables ou les décideurs dont nous devons éviter de nous ressourcer beaucoup plus dans les réseaux sociaux mais venons auprès des décideurs pour pouvoir avoir la bonne information et informer ainsi toute la population. Voilà de manière substantielle ce que je peux dire à cet instant. Le message que nous pouvons adresser à notre population c'est que les députés nationaux élus de la province du Kasaï Central sont à pied d'œuvre pour que jamais qu'il y ait de de morts-nés, dont des projets morts-nés, nous en avions connu avant. Euh, nombrés, mais nous ne voudrions plus encore avoir de morts-nés. Donc nous voudrions cette fois-ci que lorsqu'un projet euh, a été annoncé et que le projet est lancé, que cela arrive jusqu'à terme. Et donc voilà la raison pour laquelle nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous debout pour que tout ce qu'il y a comme projet que j'ai énuméré précédemment soit réalisé et qu'ils il, euh, peuvent compter sur nous, que nous n'allons non plus ménager nos efforts pour que ces projets soient bien exécutés dans la partie centrale de la République démocratique du Congo.